donc ici, bah, je vais essayer de découvrir un petit peu les lieux. J'ai passé un petit coup de side tout à l'heure pour dégrossir la zone et il y a des choses intéressantes à pêcher. Je vais commencer par ça. Voilà, on voit bien la farine. Alors en l'occurrence, c'est de la farine de poisson. C'est de la farine de pelée broyée en fait. Là, ça va marquer le fond. Et on espère obtenir les comportements qu'on a vus sur la vidéo tout à l'heure. À suivre. Plus vous mettez de la farine, plus vous avez des chances d'avoir des écrevisses, ce qui a été le cas sur un des spots ici, hein, où j'ai eu beaucoup d'écrevisses. Donc j'ai rajouté de la farine pour que les écrevisses se concentrent sur la farine et laissent tranquille mes appâts. Donc les écrevisses, ça pose souci, notamment pour l'emmêlage des belles lignes. Donc j'utilise des matériaux très rigides, hein, le combistif. Je vais vous expliquer comment je l'utilise exactement. Je le monte en version dérig. Et puis je vais vous montrer la petite astuce, surtout pour que les appâts ne se fassent pas enlever par les écrevisses. Parce que les écrevisses, elles les grignotent, mais aussi elles arrivent souvent à enlever le stop appât. Et finalement, les appâts glissent du cheveu et on pêche sans appât, donc ce qui est quand même problématique. Et donc la petite astuce, ça va concerner ici l'emprisonnement du stop appât. Je réalise une première boucle sans stop appât que je vais venir coller contre l'appât. Et à partir de là, je vais commencer à réaliser la deuxième boucle. Voilà, la deuxième boucle est là. Je vais venir poser mon stop appât dedans. Voilà, donc il y a une boucle qui a été réalisée en dessous le stop, une boucle que je réalise maintenant au-dessus du stop, que je vais replacer dans le bon sens. Voilà. Et ainsi, le stop, il se retrouve emprisonné avec une boucle au-dessus, une boucle en dessous. Je vais doubler, voire tripler la boucle du dessus. Donc la boucle du dessous, ça lui évite de s'enfoncer dans l'appât trop. Et le fait de le serrer entre deux boucles, ça le maintient complètement. Il ne peut plus être poussé d'un côté ou de l'autre. Il est serré en fait par les boucles de chaque côté. Et là, un, non seulement ça pêche, deux, ça résiste aux attaques des écrevisses parce que c'est très rigide. Et trois, le petit stop, il est bloqué de manière à ce que les écrevisses ne puissent pas l'enlever. Ça se déplace à une vitesse hallucinante, ça craque dans tous les sens. Donc j'espère juste pas avoir un départ maintenant. Ça va être bon pour les poissons de tout à l'heure. Il pleut vraiment fort. Ça va ruisseler, ça va ramener pas mal d'oxygène, un petit peu de bouffe. J'ai hâte que ça se finisse et que les carpes en profitent un petit peu là, sur oxygénation, baisse des pressions. Là, le cocktail il est plutôt bon, surtout que l'eau est chaude à la base. Le premier dans un endroit que tu pêches pour la première fois, c'est toujours le pied. Ça, c'est bon. Putain, je touche. C'est toujours comme ça. Regardez-moi ce fish, il est pas magnifique. Départ en pleine journée, je me régale. J'adore, je m'éclate. Allez, file, va, tu l'as bien mérité. Encore une super belle combattante. Allez, yes. Jolie commune. Ça s'accélère un peu avec le vent là, c'est super. Une torpille de toute beauté. Belle couleur. Génial.
Génial, super fiche du matin, avec un beau soleil, c'est magique. Cette paire de babaches qu'elle a, lèvre super dur. Ça se nourrit dans la pierre, il n'y a pas photo. Je suis pas dans mon sens par rapport au vent. Avec l'approche à la farine, les poissons sont hyper réactifs. Ça, c'est des bons moments. Ça, c'est des bons moments. C'est pour ça qu'on aime la pêche. Yes, jolie fiche.
Pour le dernier rush. Gouache. Oh là 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 là. La vache. Elle est énorme. Oh, c'est comme un peu furieux encore. C'était caboche.
vaut des points. Ben voilà, joli poissonné. Ça c'est fait. Ça c'est fait, voilà, oui. Bon, voilà, ben oui, je plane encore, quoi. Il est 17h. Touche dans 10 minutes. Regardez-moi cette pépite. Voilà. Mais ça peut faire ça. C'est un beau poisson.